Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir comment importer des documents dans la classe virtuelle afin de les partager avec tous les élèves. Pour cela, nous allons aller dans le menu Collaborate, puis dans l'onglet Partager des documents, puis Partager des fichiers. Alors, vous voyez que j'ai déjà partagé quelques fichiers et je vais en ajouter quelques-uns. Alors, pour cela, j'ai déjà préparé ma séance. Il suffit tout simplement de glisser-déposer le fichier dans le rectangle afin qu'il soit importé dans la classe virtuelle. Alors, ça prendra plus ou moins de temps suivant le poids de votre document. Suite à cela, vous sélectionnez le fichier et puis vous appuyez sur le bouton Partager maintenant. Alors, le fichier que j'ai partagé, c'est un diaporama avec plusieurs diapositives. Alors, pour faire apparaître chez les élèves une diapo, il suffit de cliquer dessus et elle apparaît chez les élèves. Et on peut ensuite en parler. Vous pouvez à tout moment arrêter le partage en appuyant sur ce bouton, et puis sélectionner un autre document et continuer votre classe virtuelle.